toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. C'est Morgane avec vous aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse interactive. Vous avez cette possibilité également de nous écouter grâce à Internet sur le site de la radio ici et maintenant.com ou bien grâce à vos smartphones, les applications radio. Il suffit de trouver la radio ici et maintenant. Sachez que vous pouvez dès maintenant vous connecter également sur le forum de la radio, le forum.fm, qui dit revue de presse interactive, dit participation de votre part tout au long de l'émission concernant les différents sujets que nous allons voir. Eh bien, pour commencer, on va parler des présidentielles en Turquie. Erdogan qui a été donc réélu dès le premier tour. Il y a des soupçons de fraude après l'élection d'Erdogan. Il faut le savoir, l'opposition rate son parti, donc son pari, pardon, en Turquie. Et Recep Tayyip Erdogan reste donc en place. Il n'y aura même pas de second tour puisque le président sortant est réélu avec 52,5% des voix au Parlement. Son parti, l'AKP, l'emporte aussi largement. Erdogan est réélu et tout puissant puisque sa réforme des institutions lui donne désormais tous les pouvoirs et que le poste de Premier ministre n'existe plus. Il faut savoir que dès les premiers résultats, des rumeurs de fraude ont circulé. On va voir les explications dans quelques instants. L'autre sujet également qui occupe l'actualité, c'est l'arrestation de 10 hommes liés à l'ultra-droite soupçonnés de préparer des attentats contre des musulmans. Le groupuscule d'ultra-droite, pardon, baptisé Action des forces opérationnelles, voulait s'attaquer à des imams radicalisés, des femmes voilées ou des détenus islamistes sortis de prison pour se venger des attentats perpétrés en France ces dernières années. Voici les deux thèmes que nous allons traiter aujourd'hui sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Vous avez dès maintenant cette possibilité d'intervenir avant même que je vous détaille ces deux différents sujets en composant le numéro du standard ou bien en vous connectant sur le forum de la radio, donc le forum.fm dans la partie revue de presse interactive, ou bien le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Oui, par rapport au présidentiel en Turquie, eh bien, le chef de l'État turc, Recep Tayyip Erdogan, a été réélu dès le premier tour, comme je vous le disais. C'était hier, le dimanche 24 juin, pour un nouveau mandat au pouvoir renforcé venant à bout d'une opposition pourtant assez soupçonneuse par rapport au scrutin. Alors, plus de 56 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour la présidentielle, mais aussi pour les législatives. Monsieur Erdogan avait un nouveau mandat après 15 ans de règne sans, donc eu un nouveau mandat après 15 ans de règne sans partage. Ce double scrutin marque le passage en Turquie d'un système parlementaire au régime hyper-présidentiel souhaité par le et validé lors d'un référendum en 2017. Un résultat important pour Erdogan qui a été félicité par le président russe Vladimir Poutine qui salue, je cite, la grande autorité politique du chef de l'État turc dont il est un grand allié et du large soutien au cap fixé sous sa direction, a-t-il dit par l'intermédiaire d'un communiqué du Kremlin.
Je cite, le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale, le vainqueur de cette élection, c'est chacun des 81 millions de nous. Concitoyen, déclarait Erdogan dimanche, tandis que ses partisans l'acclamaient devant le siège du parti de la justice, du palais de la justice, donc, et du développement AKP. Pour rappel, le président de la commission électorale a confirmé sa victoire dans la soirée. Je cite, d'après les résultats, il apparaît que Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité absolue des voix valides, ce qui lui permet d'être réélu au premier tour, a indiqué le chef du YSK, Sadi Güven, lors d'un point presse à Ankara. L'opposition, donc, comme on le disait tout au début de l'antenne, dénonce des fraudes. Ces chiffres sont donc contestés par l'opposition. Le Parti républicain du peuple, CHP, qui avait envoyé des représentants dans la plupart des 180 000 bureaux de vote, affirme que ses propres données montrent que M. Erdogan a obtenu moins de 50% des voix et qu'un second tour est donc nécessaire. Le député Tezcan, porte-parole du CHP, a évoqué lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Ankara une manipulation grossière de l'agence Anatoli qui transmet des résultats irréels selon lui. Le CHP a par ailleurs dénoncé des tentatives de fraude, je cite, de nombreux plaintes nous sont parvenues, surtout de la province. Nos amis sont intervenus au moment où c'est arrivé, a-t-il ajouté. Il a énuméré plusieurs exemples de tentatives de bourrage d'urnes. L'une comptait ainsi déjà une centaine de bulletins en faveur de l'alliance dominée par le parti au pouvoir avant même l'ouverture des bureaux. Il a aussi diffusé une vidéo qu'il assure avoir authentifiée d'un homme affirmant qu'il y avait plus de bulletins que d'électeurs dans un bureau. Le procureur public de Sanlifura, dont dépend cet endroit, a annoncé avoir ouvert une enquête sur ces accusations et 4 personnes ont été arrêtées selon l'agence de presse Anatolie. Craignant des fraudes, et bien en particulier dans le sud-est, à majorité kurde, opposants et ONG ont mobilisé plusieurs centaines de milliers d'observateurs pour surveiller les bureaux de vote. Je cite, dans la région, il y a eu des assauts de menaces pour arrêter nos observateurs, a affirmé M. Tezcan. Par ailleurs, il faut savoir que la sénatrice et les 2 militants communistes français ont été arrêtés dimanche à Agri, c'est dans l'est de la Turquie, où ils étaient venus observer les élections à l'invitation donc d'un parti pro-kurde. Ils ont été relâchés à la fermeture des bureaux de vote, a indiqué à l'AFP l'une d'entre eux, je cite, nous avons été arrêtés à 10h30 et retenus à la gendarmerie jusqu'à 17h à la fin des opérations de vote. On nous a dit qu'il n'y aura pas de poursuite contre nous car notre présence n'était pas réelle. Et puis il reste encore des choses à dire par rapport à ces différentes accusations et ces soupçons de fraude qu'on va voir dans quelques instants, des extraits audio aussi. Vous pouvez partager vos réactions évidemment avec nous en composant le numéro du standard. Que pensez-vous de cette situation en Turquie, la réélection de Erdogan? Le numéro du standard, eh bien, c'est le 08 92 23 95 20.